Rogue One repose sur les épaules de ce jeune réalisateur de 41 ans qui avait déjà redonné vie au monstre Godzilla au cinéma en 2014. Disney et Lucasfilm ont mis sur ses épaules le premier volet d'une série de films parallèles à Star Wars. Question simple, comment supporte-t-il la pression ? Je suis moi-même un immense fan. Quand j'étais gamin, je regardais les films Star Wars tous les jours. Je pourrais vous en réciter chaque dialogue. À 30 ans, je suis même allé dans la maison de Luke Skywalker en Tunisie, là où ils ont tourné. J'y ai passé la nuit, j'ai regardé le soleil se lever, comme il le fait dans le film. Donc oui, je vénère Star Wars. D'ailleurs, je pense qu'être réalisateur, ce n'est pas seulement faire des films pour les autres, mais faire qu'ils vous plaisent à vous aussi. Sinon, le résultat est mauvais. Donc il faut vous couper de tout cela, vous concentrer sur ce que vous jugez bon. D'ailleurs, c'est une des leçons de Star Wars. Lâchez prise, il faut fermer son ordinateur, ne plus regarder Internet, juste suivre son instinct.